Salut à toi, routier passionné. Le temps est formidable, belle visibilité, un ciel bleu, le soleil qui brille. Bon, l'ensemble est dégueulasse, mais tu peux pas toujours choisir. J'arrive dans 10 minutes là pour vider chez le client. La journée se passe, on va dire, comme d'habitude, tranquillement, jusqu'à ce que... Tadam ! Voilà, Francis, le roi de la saucisse, manque le stop. Non mais là, en fait, là c'est carton rouge. Parce que tu me vois arriver de loin, je suis un camion, on est sur national, départemental, ça dépend qui a récupéré quoi, tu te rappelles, hein, on ne sait plus. Là, il me voit arriver quand même. Là, je te le passe en accéléré, parce qu'à part te dire, regarde, j'essaye de le doubler, évidemment, il accélère. Le radar, je peux pas te le prouver, on le fait à 75, alors que c'est 90. Et là, en fait, je le harcèle. Et à tous ces gens qui disent « Ah, les gars, vous descendez jamais des camions !» Là, je suis à deux doigts de sauter du camion, parce que là, je suis sûr que j'ai frotté mes pneus sur la bordure, parce qu'il me fait rouler comme un con, parce que qu'est-ce qu'il y a après l'allée des platanes? Il y a un petit carrefour, qui dit carrefour, dit feu rouge. Je me suis dit, s'il y a feu rouge, je descends, et je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est le panneau stop. Et là, il est vert, le feu. Et moi, je suis vert aussi. Parce que là, regarde-le, cette tête de mort. Tu vois le panneau avec la flèche? Il veut tourner à gauche parce qu'il pensait me baiser. Donc, il est niqué par la circulation. À ce moment, je descends. Et là, il se carapate à deux doigts. Allez, j'exagère un peu d'écraser le cycliste. Moi, je suis dans l'angle mort de la caméra. Je suis en train de ramasser mes pompes et mes rideaux. Parce qu'en sautant, j'ai tout arraché. Et les rideaux, et j'ai fait tomber mes chaussures. Mais je me suis dit, putain, je vais lui jeter mes pompes dans la lunette arrière, et je vais être comme un con, aller aux pieds nus au milieu du carrefour. La meuf dans la C3, elle me regarde en mode, ah mais franchement, mais c'est niqué de tête, quoi. Là, j'ai dit, bon, écoute, il le fait, moi aussi. Donc, j'ai pris le carrefour à contresens. Là, dans un désespoir infini, j'ai dit, on sait jamais, peut-être qu'il sait, parce que s'il partait à droite, c'était pas pour aller là, et il s'est dit, je vais me faire niquer. Voilà, ben là, je fais demi-tour, hein. Le plancher de la boutique est pourri, je me suis dit, un peu plus, un peu moins, et j'ai dit, si jamais il se cache dans le coin, ma foi, je le vois, et je lui cours après avec le pied de biche, tu vois. Mais c'est... Mais il te rend de fou. Et encore une fois, du moment où la portière s'ouvre, que tu commences à descendre les escaliers, crac. T'as vu comment ça se carapate? Ça me bande. Alors respecte rien, mais respecte minimum tes routiers. Allez, bonne roulade.